Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Je m'appelle Marie-Astrid, je suis professeure de français et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le brevet s'approche pour vous, alors que pour moi, juste après, arrive le douloureux jour de la correction du brevet. Croyez-moi, ce jour-là, rien n'est plus doux que de corriger une bonne copie. Alors mon objectif est simple et égoïste, vous aider à écrire la copie de brevet la plus réussie. Je réactualise et condense donc aujourd'hui mes vidéos de l'an dernier, qui sont toujours valables car le programme n'a pas changé. Elles sont souvent plus précises, mais avec cette vidéo, je vais aller au plus vite en renvoyant à des vidéos spécifiques que j'indiquerai en description. Mais entrons sans attendre dans le vif du sujet. Pour commencer vos révisions, je vous propose de commencer par les bases de la grammaire. Vous devez impérativement connaître et reconnaître les natures ou classes grammaticales des mots en français. Vous pouvez les classer dans une sorte d'armoire mentale, à gauche les mots variables et à droite les invariables. Parmi les variables, le verbe d'abord, le pivot de la phrase traditionnelle, et puis le nom. Ce nom s'accompagne généralement d'un déterminant et parfois d'un adjectif. Le groupe nominal ainsi formé peut aussi disparaître, remplacé par un simple pronom. Très souvent, les questions du brevet portent sur les pronoms, n'hésitez pas à faire une révision express grâce à une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Parmi les invariables, songez d'abord à l'adverbe, le mot qui est le plus riche de sens parmi les invariables, mais aussi aux prépositions, indispensables en français pour lier mots et groupes de mots. Ajoutons la classe ou la nature des conjonctions qui se subdivisent en deux sous-catégories, les conjonctions de coordination, mais où est or ni car, et si vous vous demandez où est donc le donc, sachez qu'on recommande aujourd'hui de les classer parmi les adverbes de liaison. Existent aussi les conjonctions de subordination qui servent à construire des phrases complexes. J'ajoute pour le plaisir, et même si la nouvelle terminologie grammaticale recommande de les écarter, les interjections, même s'il est vrai que jamais on ne vous interrogera là-dessus le jour du brevet. Après avoir compris ce qu'était une nature, il est important aussi de comprendre ce qu'est une fonction, et pour cela je vous renvoie à ma vidéo sur ce que j'ai appelé les fonctions grammaticales indispensables. Parmi elles, sachez identifier le sujet, le COD, le COI et l'attribut du sujet. Il y a eu en 2021 une question fatale sur l'attribut et j'ai bien regretté de ne pas l'avoir traitée. Passons maintenant à ce que l'on appelle les fonctions facultatives, parmi lesquelles on peut d'abord distinguer les compléments circonstanciels. Pour le brevet, retenez les plus fréquents, compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, de but ou de cause. Regardez la vidéo en description si vous avez peur de les mélanger. Parmi les autres fonctions facultatives, il est impératif de maîtriser ce que l'on appelle les expansions du nom. Il y en a trois. L'adjectif dont la fonction est épithète ou apposée. Le groupe prépositionnel dont la fonction est complément du nom. Et pour finir, la proposition subordonnée relative dont la fonction est désormais épithète ou apposée. J'ajoute à vos révisions l'analyse de la phrase, et si vous êtes très motivé, vous pourrez revoir les formes et les types de phrases, mais aussi observer la construction ou la syntaxe de la phrase, qui peut être simple, ou complexe. Ce sera l'occasion de revoir les différents types de subordonnées et de vous avancer pour la question de grammaire à l'oral de première. Beaucoup plus simple, ayez en tête la composition ou la formation d'un mot. On peut généralement en distinguer un préfixe, un radical et un suffixe. C'est une question classique de brevet à laquelle s'ajoute généralement une demande de définition, une explication de mots dans le contexte. Pour ce qui est de la conjugaison, il est capital de connaître les 10 temps du mode le plus fréquemment employé en français, le mode indicatif. Vous devez savoir conjuguer les verbes au passé simple, au passé composé, reconnaître un futur d'un conditionnel, puisqu'il se range maintenant parmi les temps d'indicatif. Pour le présent d'indicatif comme pour les temps du passé, vous devez apprendre par cœur les valeurs de ces temps, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ils peuvent être employés. Attention, alors qu'en anglais ou en allemand le prétérit sert à tout, en français c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille aussi de revoir les modes personnels, impératifs et subjonctifs, leurs valeurs et leurs particularités, j'ai fait là encore des vidéos sur ces points. Plutôt que de parler de domaine de révision, j'évoque désormais les exercices du brevet. La réécriture et la dictée exigent de travailler l'orthographe et la syntaxe.
Voici les points de vigilance à avoir. Tout d'abord, les accords qui cachent les accords du groupe nominal, ceux du sujet et du verbe, et surtout les accords du participe passé pour lesquels il faut connaître l'astuce infaillible qui permet de ne jamais se tromper. Attention, en dictée, des signaux d'alerte doivent s'allumer dès que vous entendez du féminin ou du pluriel. Il faut accorder, mais à propos. Autre difficulté dans les dictées, les terminaisons verbales. Comme les erreurs d'accord, il s'agit d'erreurs grammaticales qui valent un point entier, alors sur 10, ça va vite. Si vous n'utilisez pas prendre ou mordre pour ne pas vous tromper, il est temps de découvrir ce truc si efficace. Et n'oubliez pas non plus les verbes en i qui sont eux aussi très risqués. J'ajoute les homophones à cette liste, attention à tous les a, les et, les on, les ou, qui doivent automatiquement déclencher dans votre tête une ou deux bonnes questions, car si vous le faites au seul instinct, vous êtes à peu près sûr de vous tromper. Je vous conseille aussi pour la réécriture du brevet de réviser un point qui peut faire mal en réécriture, le passage du style direct au style indirect. C'est dans ce sens que vous serez sans doute interrogé et je viens de consacrer une vidéo à ces manipulations que vous devez maîtriser. Pour toutes les questions de compréhension ou d'interprétation, bien malin ou bien maline serait celui qui pourrait nous dire sur quoi elles porteront car tout dépend du texte donné. Pour répondre à certaines questions ou revoir la dissertation, je vous conseille tout de même de faire la liste de toutes les œuvres et de tous les artistes que vous connaissez. Cela sera plus facile de les mobiliser et de montrer l'étendue de votre culture, acquise au collège ou par vos lectures ou découvertes personnelles. Quant aux textes que vous aurez à étudier, servez-vous du paratexte et du texte lui-même pour identifier tout de suite son genre. S'agit-il d'un extrait de roman, d'une nouvelle? Sont-ils alors réalistes ou fantastiques? Avez-vous plutôt affaire à un récit autobiographique en lien direct avec l'objet d'étude « Se chercher, se construire » abordé en troisième? Vous devez plutôt étudier un texte de théâtre? Regardez bien alors le paratexte et les didascalies, toujours essentiels pour comprendre une scène, car il y a souvent un écart entre ce qui est joué et ce qui est dit, entre ce que les personnages savent et ce que le public sait. Pour finir, si vous étudiez de la poésie, soyez attentif aux figures de style. Je vous recommande là encore deux vidéos. Les figures de style à connaître, métaphores, comparaisons, personnifications pour prendre celles qui sont sur le podium. Et si vous êtes très motivé, figures de style et sonorités. En ce qui concerne la rédaction, n'hésitez pas à regarder les 7 règles d'or pour une copie réussie, cela vous sera très utile pour le lycée. Je vous conseille aussi d'utiliser un vocabulaire choisi et de mettre des nuances dans vos copies. Évitez absolument les « ça » ou les « on » qui, en plus d'occasionner des erreurs d'orthographe, sont vraiment trop imprécis. Si vous choisissez le sujet de réflexion, ce que je vous conseille, soignez bien l'introduction et aidez votre correcteur à rester connecté en utilisant les bons connecteurs. Mais avant tout, vous le savez, le plus grand piège de la rédaction est le hors-sujet. Traitez absolument ce qui est demandé et non ce que vous avez envie de traiter. J'ajoute qu'il est bon de faire un brouillon et de bien se relire, vous avez largement le temps dans cette partie-là. Pas de consigne de longueur de copie, traitez bien le sujet et n'ajoutez surtout pas de lignes parce qu'on vous l'a dit, mieux vaut un devoir concis mais précis qu'une dissertation trop longue et indigeste. Passons désormais aux 10 derniers conseils avant le jour J. Parcourez rapidement tout le sujet avant de commencer à répondre. Regardez bien les points accordés à chaque question afin de la jouer stratégique. Observez l'image avant de lire le texte, car vous devrez faire le lien entre les deux et cela rapporte souvent pas mal de points et cela vous met dans le bain. En lisant le texte, soulignez au crayon à papier les éléments de réponse aux grandes questions « qui, quand, où, quoi ?». Et lorsque vous vous attaquez à la réécriture, commencez également par souligner ou surligner tous les éléments que vous allez devoir modifier. Ce sera plus facile de ne rien oublier. Bien sûr, écrivez proprement et sautez des lignes. Les carreaux d'une copie de brevet sont vraiment trop petits, donc écrivez toutes les deux lignes et sautez-en 4 entre deux questions. Pensez à nous qui détesterons tout de suite une copie illisible et trop brouillon. Dans la partie questions, faites des phrases complètes et non des phrases elliptiques comme on en fait à l'oral. Reprenez les mots de la question et évitez les pronoms qui ne renvoient à rien. La phrase commençant par « parce qu'il dit que » provoquera en nous correcteurs une poussée de bouton.
De même, s'il y a peu de questions ou si les questions valent beaucoup de points, pensez à bien justifier vos propos en songeant qu'il est bon chaque fois de donner trois raisons ou trois arguments. Si l'on vous demande de citer le texte, faites-le bien sûr, mais pas la peine d'écrire « je cite lignotant », c'est une perte de temps. Utilisez des citations assez brèves, coupez les phrases pour en relever les éléments saillants, que vous mettrez bien sûr entre guillemets. Pour finir, n'oubliez pas de dire ce qui est demandé. Répondez aux questions posées de la manière la plus basique, même si elles vous paraissent trop simples, et ne débordez pas du sujet, car vous êtes peut-être en train de répondre à la question suivante. J'achève cette longue vidéo en vous félicitant de l'avoir suivie. Vous avez bien raison de vouloir réviser ce brevet français sans trop vous poser de questions. Même si certains ont déjà leur brevet en contrôle continu, c'est le premier examen que vous passerez, alors autant ne pas partir d'un mauvais pied. De plus, avec tout ce que vous réviserez en grammaire, ce sera déjà ça de gagner pour l'oral de français en première, et 2 ans, cela passe vite. Même si je serai encore là pour vous accompagner, autant ne pas perdre de temps. Pour l'heure, je vous souhaite force et détermination pour vos révisions et les épreuves qui vous attendent. Soyez confiants et faites au mieux, avant et pendant. Si cette vidéo vous a plu, mes poussins presque lycéens, je compte sur vous pour un petit commentaire ou un pouce en l'air, et à très bientôt.